chère maman. Ventouse est un sacré farceur qui se farcit la police. Regardez ça, les amis! Marie Caginul ont la fâcheuse tendance à s'approcher un peu trop des eaux du camp du soleil souriant. Ça a assez duré. Je saisis officiellement cette barrière flottante au nom du camp du soleil souriant. Hé! Le monstre marécagia! Retourne de ton côté du lac et c'est un ordre de la police des frontières du soleil souriant. Là, c'est trop. T'as un problème de comportement, la ventouse. T'as de la chance que je te mette pas au trou. Oh, les déchets sont interdits. Considère ça comme un avertissement. Je te conseille d'obéir à mes lois ou sinon tu vas avoir de gros ennuis, bâtonnets de poisson. Eh bien, voilà une affaire de régler. Oh. Oh. Ah. Tu ne me fais pas peur, monstre des profondeurs. Ah. Ah. Maman. Comment ça, je ne suis pas assis sur un pot de chambre? Yes. Oh. Bonjour, ventouse. Oh, ventouse, arrête ça. Oh, joli chapeau. Bonjour, les jeunes. C'est la journée du ménage. Oh. Wow, il va falloir de la puissance pour l'aspiration. Rose, puissance. Oh, mon visage n'a jamais été aussi propre. Après l'inspiration, l'expiration. Y a peut-être un peu trop de puissance pour le ménage, mais sûrement pas pour... du surf motorisé! Non, mais d'où sort ce truc épouvantable? Police des frontières! Mac Guignol, tu as commis une violation de propriété privée dans les eaux de soleil souriant! Non, ici c'est la zone de baignade du camp marécage! Hé, bot flic, tu ne possèdes pas tout le lac! Cette clôture prouve le contraire! Violation de propriété privée, dommages matériels et imbécilité flagrante! Mais je vais être indulgent cette fois! Tu restes de ton côté et tu n'auras plus de problème. De ce côté-ci, ou de ce côté-là, ou bien celui-là, ou celui-là. Ne m'oblige pas à t'incarcérer, ma Kitty. Mon péché serait pugnosaure de s'approcher de moi. Il a essayé de dévorer mon bateau ce matin. Wow. Ventouse ne mange jamais de malbouffe. Et ensuite, il m'a volé mon nouveau chapeau. Ventouse, c'est vrai que t'as attaqué le bateau de l'agent Botfrim et que tu as volé son chapeau. Alors tu sais ce que tu dois faire. Je vous préviens, si jamais je revois cette créature visqueuse, je l'envoie dans la mare aux limaces. La mare aux limaces. Bot Squat l'aura bien cherché. On va lui faire une blague qu'il ne sera pas prêt d'oublier, Ventouse. Faudrait peut-être mieux que Ventouse ne s'approche pas de Bot Squat pendant quelques jours. Oh, ça va, il veut simplement s'amuser. Plus notre cher Ventouse agace Bot Squat, et mieux il se porte. Allez, viens, Ventouse, allons embêter Bot Squat. Rapport de l'agent Bot Squat. Aucun signe des marécages nuls et de leurs complices visqueux, mais je m'attends à les voir apparaître.
si jamais ils s'aventurent dans mes eaux, je vais les recevoir comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Requin, allez-vous-en, pousse, à l'aide. Vous savez, il n'y a pas de quoi rire. Votre blague aurait pu vous coûter très cher. Ce truc-là est totalement dangereux. Regardez. Ce calmar de malheur devrait faire attention. En fait, c'est plutôt toi qui devrais faire attention. Pourquoi? Vous croyez que je vais tomber à l'eau? En plein dans le mille. Joli coup, Bot Squatch. Cette fois-ci, ce fruit de mer va finir au fond d'une friteuse. J'ai montré à ce calmar géant qui commande ici. On dirait qu'il se passe quelque chose au camp du soleil souriant. Waouh, Ventouse doit être en train de faire une blague à Bot Squatch et on rate le spectacle. Allons voir ça. C'est à notre tour de lui monter un bateau. Rappelez votre mollusque enragé. Ventouse? C'est pas possible. Vous voyez? Il est pris la main dans le sac. Le tentacule dans le sac. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai transformé notre monstre de lac en monstrueux monstre de lac. Doucement, Ventouse. Là, tu vas un peu trop loin. Ventouse ne ferait jamais une chose pareille. Pas vrai, Maggie? D'abord le chapeau, puis la coque. Il n'y a qu'un truc très gros qui aurait pu abîmer le quai comme ça. Je vais vous montrer, moi. Je vais transformer votre calmar de copain en assiette de sushi. Dis sayonara, des goûts de tentacules. Ventouse, Ventouse! Non! Non! Ouais! Ça t'apprendra à t'en prendre à la police des frontières. Je peux pas croire que Ventouse soit coupable. Coupable ou pas, je ne laisserai personne capturer Ventouse. Ha! Même Mac Guignol sait que tu es coupable. Quoi? L'ascenseur! Vous ne m'aviez pas dit que votre sale poulpe avait des complices! Le coupable était donc bien un monstre marin indomptable et qui casse tout! Mais pas notre monstre marin indomptable et qui casse tout! Alors ça veut dire que... Ventouse est innocent! Je n'en ai jamais douté une seule seconde! Oui, on a bien vu ça, McGee! Allez, mets tes pinces bien en évidence, crustacé puant! Mais j'ai pas besoin de les voir d'aussi près! Nageant est à terre. Tiens, je vais distraire cette chose pendant que tu vas libérer Ventouse. Ça va faire pas d'un boomerang. Désolé si j'ai pu douter de toi, Ventouse. Est-ce que tu me pardonnes? Merci, mon pote. Maintenant, allons écraser ce méga crabe. Maggie, on aurait comme besoin d'un coup de main. Très bien, Ventouse. On va montrer à ce crustacé qui commande ici. Ouais! Méchant, le crabe. Méchant, méchant, méchant. Tout est beaucoup trop calme. Ventouse. C'est ça, Ventouse. Passe ce bruit de mer à la casserole. Félicitations, Ventouse. D'accord, d'accord, votre calmar mutant est le héros du jour et tout ça. Mais sachez qu'il doit être tenu en laisse. Ah!
Impolitesse manifeste, boomerang sans immatriculation, flagrant délit de crétinisme. Mais voyons. T'as oublié entrée illégale dans les eaux du camp marécage. Hé, hey, reposez-moi. Au revoir, Bot Squat. Je me vengerai. Je vous jure que je me vengerai. Ouais, bravo, Ventouse. Ventouse, ça suffit les blagues. Enfin pour aujourd'hui.